Allez, salut à tous les amis, c'est l'un de tout plaît, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos de Civilization Beyond Earth avec Yanamu qui m'a fait stresser avec son top en même temps que moi le salaud. Ah ouais ouais, je me suis régalé. En même temps que moi. Bonjour à tous les amis, ici Yanamu, bienvenue pour ce 9e, 10e, je sais plus, pour cet épisode de Beyond Earth. Ouais, j'irai voir ça après à quel épisode on en est. On doit être... Ah ouais, ouais, on doit être loin. Nous sommes le 15 novembre 2014, hein, c'est un petit repère temporel pour savoir quand est-ce que vous aurez la vidéo, certainement au mois de janvier ou février, un truc comme ça. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ben, c'est rien, je pète un câble, c'est tout. Et je suis content de jouer à CA. Ah bah, tu m'étonnes. Ah, oh, j'avais la bite qui frétille. Ah, à ce point-là? Ah, d'accord. Je suis à fond là. Le puits du fou se développe, Deauville est en forme, le Moochik s'éclate. C'est la fête au Moochik, les gars. Ouais, ouais. Et nous avons notre nouvelle ville ici, dans les îles. Je vais la nommer Mayotte, celle-là, mais dès qu'elle sera faite. Hein. Ah, d'accord. Oui, bon, oui. Donc, vas-y, t'as avance. Bon, je te sers une mission, tu vas quoi, toi? Nid extraterrestre découvert, nacelle fouillée, hop. 25 de culture. Ah, bah ça, c'est bien, ça. Voilà. Du coup, j'avais une unité vétérante, j'ai oublié de la... De la bouger? Non, pas de la bouger, mais de la... J'ai siphonné 229 énergie. De l'améliorer, quoi, tout simplement. Donc les gens, nous allons essayer quelque chose sur Cabros, qui avait échoué, qui avait provoqué la mort de mon agent la dernière fois que j'ai tenté ça. Ah, mais on va quand même réessayer. Voilà, même si ça a plus de chances de réussir ici, je pense. Alors ici on va organiser un petit vol de technologie chez l'indienne parce qu'elle ne mérite pas. Quête mise à jour, créer une route commerciale au départ de Fidel. D'accord. Ouais ouais, vas-y, fais ce que tu veux. Donc voyez ça les gens, en fait, ici vous voyez que je pourrais très bien signer un autre agent spécial, mais je ne le fais pas parce que pour chaque agent donc au QG, les risques encourus par mes agents diminuent. Et donc bah, quelque part ça m'arrange grandement entre guillemets de faire diminuer les risques. Quand je vais commencer à faire de très très grosses vilaineries. De très très grosses vilaineries. Le mec. Ouais. Ah, choisir construction. Donc Fidel est apparu, les amis, notre nouvelle ville. Bon, on est à 7 d'insalubrité. J'espère qu'on va pas se taper des révolutions. Ah. Clairement, voilà, étouffe-toi, bah, vieux sac. Mais par contre, c'est quoi ces tours là 40 tours pour faire une pauvre clinique? Ah oui, non, au début c'est rare, c'est rêche, hein. Ouais. Ah, j'ai fait une technologie qui me fait démarrer direct à 3 citoyens là dans les valeurs, je sais plus où là, mais c'est bon ça. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ouais. Et je passe le tour. Par contre, le temps est un petit peu fort chez moi, on va baisser un petit peu, désolé. Hop, voilà. Ouais, ça fait rien ça. Hop, 31, voilà. Voilà, là c'est mieux. Ah ben merde, voilà, j'ai attaqué le ver de siège, il a pas apprécié, il m'a bouffé un ouvrier. Super! Il t'a bouffé un ouvrier! Ah non, là je l'ai dans le cul là, clairement je l'ai dans le cul. Dans le cululu. Chapeau pointu. Oh là là, il y a trop d'extraterrestres là, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. On va faire tenir la position. Bah du coup, lui, putain, il fait chier là. Casse-toi. Vers de siège de merde. Vers bon. De siège de merde. De merde. Ouais. Du coup, faut que je me rachète un citoyen. Un ouvrier. Ah. Voilà. Moi j'en ai deux qui traînent dans mon empire. Voilà, c'est des dépenses inutiles, hein. Voilà, ça fait chier quand même. Hein. C'est clair. Une plantation de mycètes à Ensa. Bien sûr, ici on la forêt, hein, vous m'avez compris. Oh, je peux développer une valeur. Oh, bien ça. Si c'est pas merveilleux. Lorsque vous prenez un... Non, ça je m'en fous. Vitesse de croissance des avant-postes plus 30%, ça peut être pas mal. Carrément. Vitesse de construction des aménagements plus 15%, ça peut être énorme. Oh, énorme, énorme comment? Un peu comme un... Bar chocolaté, Nestlé, céréales. Oh, voilà, tout à fait. Ah, plus 0,5 pour chaque unité commerciale sous votre contrôle. Oh, ça c'est intéressant. Ça. Donc vous l'avez ça, vu, c'est les intéressant. Gens, je sais pas si j'ai bien soit fait de faire ça, ça ici. On va j'ai voir. J'ai bien envie de prendre soit ça... Soit mercantilisme, soit propriété. Je pense qu'on va faire mercantilisme parce que là j'ai besoin
J'ai besoin de bonheur. Non, quoi? Moi, je te laisse décider. Unité commerciale, ça m'a réduit que de 1? Oh, c'est une connerie, j'ai pris une valeur pour rien, là. Ah, c'est ballot. Sous votre... J'en ai plus d'une d'unité commerciale, il se fout de ma gueule. Un peu. J'en ai plus de 2, je veux dire. J'aurais dû prendre propriété. Remboursé. Ton suivant. Je peux pas l'acheter, ce casque, ça fait chier. Mais parce que t'as un vieux sac. Qu'est-ce que j'ai lancé comme construction à cœur? Un centre d'information, d'accord. Ici, on va faire une terraformation. J'ai lancé cognition en technologie, qui va être plutôt pas mal. Mais le problème, c'est qu'il me faut de la... Il me faut de la... Comment ça s'appelle? De la Phyraxite. Décision voilà. De quête. Bon, allez, vas-y, casse-toi le verre de siège. On finit de construire la nouvelle usine de xénocarburant. Bientôt, notre peuple ne dépendra plus de ces dangereuses énergies fossiles venues du passé. Cette planète recèle de nombreuses manières d'alimenter notre ville en énergie, même si aucune n'est vraiment sûre. Quelle sera l'énergie du futur? Les miasmes, énergie passable mais abondante, ou la puissante mais rare Xenomass? Eh ben, c'est une excellente question, mon très cher. Alors, si j'utilise les miasmes, j'ai un gain immédiat de 1000 énergies. Les gars, wouhou, c'est la fête, mais ça court terme. Oh putain! Si j'utilise la Xenomass, pour chaque puits de Xenomass, énergie plus 3 et production plus 2. Ah, pas mal. Comment on fait pour voir les routes commerciales en par... Ah oui, non, c'est vrai. Je vais utiliser la Xenomass, les gars. J'ai juste à faire ça. Je pense sur du long terme. Comment je... Route commerciale. Terminée. Comment je fais pour voir les routes commerciales déjà là? Voilà, c'est unité un à atteinte d'ordre. Chiant. Ah oui, lui. Alors ici il y a des fruits, vous voyez les gens, il y a des fruits là, il y a des fruits. Et les fruits, moi je dis c'est le bonheur. C'est vrai que c'est le bonheur, mais. Je sais pas combien. J'aimerais bien savoir combien je peux faire de routes commerciales ici. Wow, on va faire ça et au pire on la vendra. Hein. C'est beau ici. Hein, c'est beau. Décision ici. De quête. Notre batterie de missiles est terminée mais ce n'est pas encore prêt à tirer. Il semble que nous ayons surestimé la quantité de gel d'allumage nécessaire pour lancer un missile. C'est probablement une première, mais nos techniciens balistiques ont annoncé que les missiles sont trop explosifs et que le moindre tir, mettrait la ville en danger. Cependant, le gel peut être utilisé comme charge libre ou ajouté au système de propulsion, éliminant ainsi le risque et améliorant l'efficacité des missiles. Utiliser le gel d'allumage comme charge mille, comme charge libre. L'abus de gel est dangereux. On va prendre puissance de la ville plus 5. T'as même pas relevé, vieux sac. Bah, de quoi, Rudy? L'abus de gel est dangereux. Oh Yanamu. Bah quoi, moi je suis parti Yanamu. Là, je suis parti là. Yanamu. Laisse-moi t'expliquer la vie. Vas-y, explique-moi ce que tu connais de la vie pour voir ce que t'en connais. Eh bien, c'est quand le chat est repu qu'il trouve que le cul de la souris pue. Voilà, ça c'est une grande leçon. Pas mal. Ah ouais, je vais avoir de la silice aussi, tiens, c'est quoi de la silice? Ah, c'est non, non, pas partie mais, des, hein. Mais tu peux me remercier, Yanamu, ça me fait plaisir. Bon, passe le tour, vieux sac. Attends, 2 secondes. Ici, ça construit ou quoi, là? Ouais. Grand Exito a été créé, d'ailleurs, hein. Bon, je sais plus combien tième avant-poste. Mais moi, je bourre les villes, là. Ah, je bourre. J'ai de la Phyraxite. Ah, j'ai des fruits aussi, ouais. Et le mec il me dit de passer le tour, il est même pas prêt ce vieux chien là. Grand Exito, ouais. Exact. Regardez-moi ça! Je vois ta ville, Learn. Et comment tu la vois d'ailleurs? Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai exploré la carte un petit peu. C'est vrai. Oh mais non! Mais ce ver de merde là! Il manque. Putain! Mais. Il m'a encore bouffé un ouvrier le salaud! Mais casse-toi! Oh, il m'a encore bouffé un ouvrier l'espèce d'enfoiré. Ah mais, oh mais quel idiot, putain je suis vraiment stupide. Je suis vraiment teubé moi. Avec mon explorateur j'ai perdu du temps. Et là il m'a encore bouffé un ouvrier, j'ai dépensé 200 pour rien. Et en plus je suis encore dans le malheur. Putain le mais sérieux. Le raptor nous apprend qu'il faut être reconnaissant envers la proie qui nous nourrit. La démonstration qu'il en fait est également une bonne leçon à retenir. Manuel de la Brasilian Corpo de Fusilier Leros Colono. Pour la survie et l'évasion planétaire. Harmonie niveau 4. Oh yeah. Putain mais moi je suis dégoûté là.
J'ai pris une valeur pour rien là, sérieux. Oh oui, missile nomade a évolué en artilleur. Ce putain de verre de siège me casse les couilles. Alors, ça fait quoi et ça fait quoi? Donc, puissance plus 2, puissance de combat, puissance plus 8, plus 10 en attaquant une ville. Si je prends ça, c'est plus 30% en attaquant une ville, et ça, c'est plus 20% contre les unités terrestres. Franchement, vu le nombre d'unités terrestres qu'il y a dans le coin, je vais prendre les 20% contre les unités terrestres. Ah. Là, les gens, moi je dis ça, sinon voilà quoi. Voilà. Alors, harmonie niveau 4 atteint, d'accord. Je voulais faire quoi ensuite? La robotique en essaim. Putain, t'es niveau 4 en harmonie? Ouais. La vache. Oh, les unités guérissent de 5 PV dans les miasmes au niveau 6 d'harmonie, ça c'est pas mal comme bonus. Alors j'aimerais accéder à toutes les quêtes s'il vous plaît. Elles sont où les quêtes? C'est ce que j'allais dire. Les quéquettes, elles sont où les quéquettes? Donc ça c'est fait. Maintenant il faut étudier la nanorobotique. Bon! J'aimerais bien avoir un citoyen, si ce verre de siège pouvait se casser, ça m'arrangerait. Puis il faut de l'aéroche. La nanorobotique, elle est là, elle est super loin, les gens. Elle est super loin. Donc avant, il faut chasser ça, en fait. Il faut chasser dans la vie. Je vais chasser ça, les gens. Moi, je suis dégoûté, ici, il y en a aussi, donc je vais faire que cette technologie maintenant, en fait. Le reste, j'en ai plus rien à battre. Oh, wow. Oh, ajoute un point supplémentaire par tour à la progression. Faire une victoire par transcendance. Bon, Jean-Guy, tu fais quoi? Je suis en train d'étudier mes technologies. Tu m'excuses, mon ami, mais... Bonne idée, je vais faire la même chose. Je suis en train d'étudier vers comment je vais te la mettre à l'envers, en fait. Ah, je vais peut-être faire ça. Système d'alimentation électrique. Ça me fera un peu plus de suprématie. Oh, yes, hop. On va faire ça, les gens. On va partir là-dessus. Voilà. Revenir à la carte. Alors, choisir une construction au puits du fou. Wow. Ah oui, c'est vrai. Le puits du fou. Alors, voyez, moi, j'ai le truc qui se fait en 3 tours, là. Mettons le recycleur production plus 2. Je vais en avoir besoin parce que de la prod, j'en veux. Ça, c'est bien, aussi. J'en mange de la prod. Unité en attente d'ordre. Ça, mon c'est Marines. Très, très bien. Il se fortifie là. Mon explorateur qui vient de bouffer les miasmes dans la gueule. Je vais gueule, faire ces deux-là, là. Après, je vais faire ces deux-là, les amis. Il va retourner par là-bas, hein, parce que voilà, hein, YOLO. Ouh, ça aussi, c'est pas mal. Hop. Mmh, ça aussi, c'est pas mal. Et je passe le tour. Ouh là là, ça aussi, c'est pas mal. Revenir à la carte. Faudrait peut-être que je me base sur la pureté aussi. Alors, oulala, j'ai plein de trucs. Alors, alors qu'est-ce qui m'offre le plus? Clairement, c'est la ville russe. Route commerciale. Ah. Alors, notre décision de quête. Échappé. Avec notre nouvelle fonderie d'alliage, la production sera bien plus rapide qu'avant. Si le titane est très répandu sur cette planète, nous pouvons toujours trouver les moyens d'étendre son utilisation. Nos ingénieurs ont développé un procédé permettant de fondre le titane et de le combiner à d'autres ressources. Cela permettrait de créer soit du titane plus résistant, soit davantage de titane. Ah merde. Créer du titane plus résistant... Ouh, bon, créer davantage de titane, je pourrais avoir plus 4 de titane, ou alors plus 2 de production. Mine ouais, de titane, bien, ça fait plus 2 de production. Tu me conseillerais quoi, toi? Aucune idée. Est-ce que tu as déjà des mines de titane près de chez toi? Oui. Je vais plutôt augmenter la production, ça me semble plus intéressant. Extraterrestre, bon, on va le laisser se casser le verre de siège parce que sinon il va encore me bouffer mes... Et là, ça veut bien sécher se marier à la con, là? Bon, à prospérité, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Comment je fais pour voir les routes commerciales? Ah, mon ouvrier qui est arrivé ici, qui va faire une plantation de l'amour. J'ai oublié, je l'avais vu la dernière fois, j'ai complètement oublié. Et tour suivant pour moi. Oh, je suis troisième, l'homme tout plaît m'est passé devant. Sérieux? Ouais. Bon, je vais construire ça ici. Non! Comment j'ai fait ça? Oh, je sais pas. Ouais.
pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, mais je t'ai laissé passer devant, voilà, faut dire ce qui est. Non, mais ouais, c'est ce qu'ils disent. Ça m'embêtait que tu sois dernier comme ça, alors, comme pauvre. Bah oui, fonderie d'alliage, bah du coup, je vais en faire une là. Allez. Ça t'apprendra, vieux schlag. Ah oui, c'est parce que. D'accord. Ok. Bon. Alors, 8 de malheur. Bah, c'est parfait tout ça. Là. Oh oui, le satellite accidenté de l'amour. Piou piou piou. Oh, cette violence. Oh, le satellite accidenté que je viens de trouver de l'amour. Piou piou piou. Oh non, il est sérieux, il a résisté là, le vieux schlag. Alors, fidèle, 3 citoyens. Ok, bon, allez. Je vais acheter un citoyen encore. Je vais encore dépenser du fric, un ouvrier. Là, j'aurais dépensé un peu d'argent pour rien, quoi. Extraterrestre est repéré. Ah, cognition. Je pense savoir ce que vous pensez. Et vous pensez savoir ce que je pense de votre pensée. Mais vous avez tort. Ouah, c'est compliqué là. Là, c'est trop compliqué, les gars. Bon, alors j'avais dit, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire ça, les gars. Et ensuite, on va se diriger vers cerveau-machine et pourquoi pas agriculture verticale, ça pourrait le faire. Voilà. Quête mise à jour, effectuer des opérations secrètes de niveau de conspiration 4 ou supérieur. Ah. À vos ordres. Ah, enfin. Voilà, j'ai eu un freeze là. Ouais, pareil, un petit freeze. Ça doit être la connexion, ça. Ouah, ouais. Il fait gaffe, moche. Ouah, comment il pleut. Ouah, comment il fait beau chez moi. Ouah, comment il fait soleil. T'es sérieux? Ouais. Moi, il fait dégueulasse. Et pourtant, on habite pas loin, hein. Ah, ouais, 300 km nous sépare. C'est... Ah, ouais, quand même. Quand même, ouais. Bon, je passe le tour. Je passe le tour. Vas-y, passe le tour. Piou-piou. Voilà. Oh, mais mes unités sont tellement puissantes, ça ne veut rien dire. Allez, fais-moi tes missettes là en 3 tours. Putain, le verre de siège, je. Non, mais je t'ai repéré le verre de siège. Ici, on va faire de la résiline. Là, toi, tu vas te soigner. Toi, tu vas te soigner. Et toi, tu vas rentrer là. Parce qu'il te faut des modules d'exploration, bâtard. Alors, putain, je suis à 8 de malheur. Oh, je pourrais faire une académie. On va faire une académie, les amis, ici. On a de la géothermie, on a de la résiline à prendre, on a de la xénomasse, on n'a pas beaucoup de nourriture, malheureusement. Mais je pense que ça devrait le faire largement, hein, concrètement. Là, c'est bientôt fini. Oh, si, c'est fini. Yeah, terraménagement. 2 nourriture, 2 de production, 2 de science. Par contre, ça coûte cher, hein, cette saloperie. Ouh, ça coûte cher. Ouh, que ça coûte cher. Ici, grand exito, bah ça se... Hein, comme il faut. Tour suivant, mon Jean-Pierre. Attends, moi je suis en train d'acheter les bâtiments, tout ça, là, ici, là, t'inquiète que... Alors, une fonderie d'alliage, je vais avoir 9 de malheur, je vais bientôt avoir les révolutions, ça va pas le faire. J'aimerais bien avoir un peu de bonheur, si ça vous dérange pas. J'ai pris une valeur. Enfin, on est d'accord, Yanamu, qu'une unité commerciale... comment ça s'appelle? Qu'une unité commerciale, c'est un convoi commercial, quand même. Oui. Bah, c'est censé me donner plus 0,5 de bonheur pour chaque truc et c'est absolument pas le cas. Ah. Non, je peux pas t'en dire plus, mon ami. Donc de mon côté, ma nouvelle ville est fondée. Ça y est, elle est là, elle est présente, elle est là. Elle est belle, elle est bonne, elle est... Voilà quoi, vous m'avez compris. Elle est chaude. Ah oui. ok. Bon, bah au niveau des valeurs... Ah merde, il a passé le tour, le fumier. Ah, libre passage terminé. On va aller plutôt dans la prospérité, probablement. Ou alors ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? La caustique. Ah oui, bah notre accord a pris fin. Oui, c'est pas grave. Notre accord a pris fin. Eh bien, tant pis. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Notre agent a réussi à recruter les transfuges. C'est quoi? Plein d'unités militaires de furieux malades mentales qui sont arrivées.
Oh, ok, pas mal, pas mal, Yanamu. Tu m'es repassé devant en plus, vieux chacal. Ah oui, 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 comme un vieux sac, t'as vu. Alors, décision bon. De quête. Moi, il se passe pas grand-chose du coup chez moi. Hein. Avec ce nouveau centre de réparation automatisé, beaucoup de nos techniciens se retrouvent sans travail. Nous devrions utiliser cette main-d'œuvre soudainement disponible. D'un côté, nos forces militaires ont toujours besoin de techniciens supplémentaires sur les lignes de montage. D'un autre côté, notre réseau orbital doit être optimisé. Quelle que soit notre décision, nous devons informer les techniciens dès à présent afin qu'ils sachent où aller demain matin. Oh, il y a un nid d'extraterrestres ici avec 9 de Xenomas dessus. Oh. Donc les gens, je vais les envoyer sur la ligne de montage parce que je sens que ça pue grave au niveau militaire. Ça sent la merde! Alors, notre expédition a démantelé l'épave d'un satellite accidenté d'origine inconnue. Il était relativement intact malgré sa sortie d'orbite. Les matériaux récupérés procurent à Deauville un bonus de production de 80. Oh yeah! Niveau d'affinité suprématie 3 atteint. Le coût en entretien des routes et des monorails magnétiques est désormais nul, les gens. Oh yeah! Quête terminée, citoyen solide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'arrivera-t-il à notre humanité lorsque nous remplacerons nos corps par du plastique et de l'acier? Elle se renforce. À mesure que le mouvement des augmentés prend de l'ampleur, nous découvrons de nouvelles applications à la biorobotique. De nouvelles interfaces neuronales permettent désormais de contrôler des flottes entières de machines, ce qui a déclenché une révolution industrielle digne de celle qu'a connue la Terre ancestrale. Que l'esprit de l'augmentation puisse s'épanouir cette planète. Récompense, 14 points d'affinité en suprématie, 30 nourriture, 30 production. Oh yeah! Putain, mais t'es sérieux, toi? Putain, mais t'as des trucs! C'est n'importe quoi! Notre agent a réussi à capturer les transfuges. Oh yeah! Non, magnétique. Mon ami, tu vas maintenant siphonner l'énergie voilà. Parce que là, on est un peu à la dèche. Moi, je dis ça, je dis rien, mais on est un peu à la dèche. Hein. Yes, au clion agent de contre-espionnage présent. Et ici, aucun agent de contre-espionnage présent. Ça, c'est bonheur, ça. Donc, mes amis, plus de routes commerciales. Ils sont ici, vous voyez, donc j'ai des Marines. Il me faut plus de routes commerciales. J'ai un Xeno-Essain. Un Xeno-Essain, les gens. C'est overcheaté. Putain, le mec, il a de ses trucs, moi, j'ai rien. Toi, t'as que les yeux pour pleurer. Ouais, ça, c'est exactement. Bon, tu passes le tour. Attends, Léon, j'ai toutes mes unités à bouger, là. Hop là, ici s'il te plaît. On va aller faire des fermes. Mon explorateur de l'amour qui va aller explorer l'amour. Alors. Tu veux dire par derrière? Je sais pas, ça dépend de sa motivation. Hein. Basalte. Non, ici. Non, mais. Voilà, alors mon Marines de l'amour ici. Je suis armé et dangereux, les gens. Putain, j'aime pas les verres de siège qui rôdent autour de chez moi là. Le petit canonnier de la mort, il va aller sur le Mouchik, fortifier le Mouchik, voilà. Sur le Mouchik. Hop là. Et choisir une construction. Usine de biocarburant serait en effet important, parce qu'on n'a plus beaucoup d'or. Voilà. Quête terminée. Oh yeah, ce monde dangereux, c'est uniquement grâce à notre puissance militaire que l'avenir de notre peuple est assuré. Les techniciens se présenteront à la ligne de montage demain matin et nous verrons ce qu'ils seront récompensés pour leurs efforts. Centre de réparation, production pour les unités militaires à plus 5%. Et tour suivant. Oh yeah. Mais c'est pas trop tôt. What? C'est quoi ce truc là? Oh, des navires marchands. Trop bien, trop fort, trop fat. Faut que j'en fasse aussi. Ouais, moi aussi. Oula! Échec. Oula, oula. Déjà, il y a plein de trucs. Déjà, alors. Voilà! Alors, vous avez débloqué une nouvelle amélioration d'unité! Les rovers de combat, pardon, qui se transforment en blindés. Choisir un bonus. 20% en cas de contournement. Plus 20% en cas de. Ouais. Ou alors plus 30% en attaquant des unités retranchées. C'est qui ça? Marine Franco-Hubert? Non mais qu'est-ce que tu fous là toi mon ami? Qu'est-ce que tu fous là? Donc j'ai des blindés les amis, c'est complètement stylé. Ouais mais ouais c'est clair. J'ai toutes les unités c'est... niveau 2 je crois en fait. Putain, moi j'ai pas tout niveau 2 mais d'ailleurs j'ai pas de rover de combat d'ailleurs, je sais pas pourquoi là. Ah bientôt on va pouvoir améliorer les chasseurs tactiques en dard.
Oh oui, oh, ma j'ai des missettes. Qui est-ce qui a les mimi? Les mimi, les missettes. Oh, moi j'ai des fruits, j'ai du titane dans tous les sens. Du titane tellement j'en ai, je sais plus quoi en faire. Un recycleur. Ici, ouais, donc ça je m'en fous. Niveau d'affinité, 3 atteint. Ça serait peut-être bien que je fasse une ville par là, les gens, pour essayer de m'étendre encore davantage. Mais avec 6 de malheur, enfin 6 de santé fragile, voilà quoi. La nécessité d'une source d'alimentation artificielle n'est qu'un mythe. Un écosystème se nourrit tout seul. Quand l'humanité apprendra à vivre, en harmonie avec son environnement, nous récolterons les mêmes bénéfices d'énergie. Ouah, c'est beau. Alors les amis, on va prendre. J'avais dit quoi déjà? Système autonome. Je vais plutôt prendre cerveau machine d'abord. On va se diriger vers la pureté. Oui, vers la pureté. Oh merde. Par contre, les Xenoessens de l'arc, c'est overcheaté apparemment. Ah bon? Ah ouais, sans déconner. Les unités là, d'ennemis là, ça te les fourre, mais à bras du con. 34 de puissance, le bordel quand même. Ça te les fourre. Ah ouais, ouais. Ça me les fourre bien. Attends, alors lui. Voilà! Je peux en faire de ça là? Enfin, un petit peu là. Eh bien, tour suivant. Ah non, je peux pas en faire de ces unités là, donc elles sont vraiment. Pour l'instant, je pense qu'elle est unique cette unité. Machine, ça va être trop bien. Bientôt les gens, bientôt je l'aurai celui-là aussi. Piou piou! Oh là là, ça fait tellement de dégâts. Oh putain, le nid, faut que je le chope là. Le nid, faut que je le chope. Espérons que le ver de siège ne m'attaque pas. Bon, tant pis, on va prendre quelques dégâts à cause du miasme, les gens, mais j'ai vraiment besoin d'explorer cette zone. Bon, allez, go. Toi en route et toi en... Bah toi, go. Hein. Boum! Le nid extraterrestre qui n'existe plus. Oh, GG, tu l'as pris, ça? Ouah! Oh, quoi? Merde, va falloir que je me barre. Ah, t'as sauf des drones, vont... des loups scarabées. Ah ouais, non, là, ouais, ils vont me défoncer, là. Ah bah, ils ont raison de te défoncer. T'as, en même temps, t'as détruit leur habitat naturel, mon ami. Là, je les ai envoyés au casse-pipe, là. J'aurais peut-être pas dû. Là, je vais me faire choper un ouvrier, je le sens gros comme une maison. Gros comme une patate. Ah, gros comme une maison, là. Ouais. Gros comme une fat mais... Voilà, comme une fat. Mais au moins, je vais leur faire du dégât. Ouais. Piou piou. Voilà, vas-y, venez. Piou piou. Voilà. Oh, j'aurais buté une unité. Oh, si je peux les soigner. Oh, je vais pouvoir les soigner, mec. Ça se trouve... Oula, putain. Non, là, je prends du dégât, là. Piou piou. Piou piou. Oh là 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 là. Bon, là, par contre, ils m'ont buté mon unité. Alors bah toi concrètement non bah tu vas te casser. Tu vas te casser Michel. Unité a été éliminée. Oh elle a été défoncée par les miasmes. Putain je suis deg. Ah non merde. Ah je fais acheter vite un convoi commercial de ça. J'en ai besoin. Ah, elle est fidèle, ça. Ah là là là. Et j'ai un institut. Putain, j'ai 7 d'insalubrité. Ah, 8, mon cochon, 8. Oh, tu me bats. Plus vous en savez. Alors, décision de quête. Sur Terre, il existait un dicton plein de sagesse qui disait « Le savoir, c'est le pouvoir. Plus nous en savons, plus nous sommes puissants. C'est pourquoi nous avons fondé un institut. Pour que notre peuple acquiert des connaissances. Celles de ce monde, celles de l'ancien, et celles... Et celle que le futur nous réserve. La première vague d'étudiants est impressionnante. Ils ont soif de connaissances et ont juste besoin qu'on leur dise vers quoi orienter leurs recherches. Oh, bien. Élargir les recherches à tous les domaines. Sciences de la ville plus 5%. Concentrer sur une technologie en particulier. Technologie gratuite. T'es sérieux? Non, mais le problème c'est que je pense que ça va être la technologie que je suis en train de rechercher qui va être gratos. Ah. Et le problème c'est que... Allez, on va mettre technologie gratos. Ah non, je peux la choisir. Wouh!
C'est pété. C'est cher, hein. J'avoue. C'est pété. Point chic, point, point. Oh là 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 là. Non mais ça sert à rien parce qu'il faut que t'aies des points. Ça sert à rien que je prenne la plus chère. Nourriture plus 2, cantine civile, distillerie de soma. Oh ça c'est bien par contre. Dynamique sociale. Oh je vais prendre ça les amis. Et voilà. Non merde. Ah merde, non, cerveau machine les gars. Et voilà, j'ai une technologie complètement pétée gratos. Les dynamiques sociales. La culture et la mode sont plombées par des stupides guerres idéologiques. L'idéologie qui gagne devient instantanément banale. Oh. Ça c'est bon ça. Donc mon cher Learn to Play, nous sommes arrivés à 30 minutes de déjà. Un tour. Ouais, on passe le tour. C'est la fin de l'épisode. Ah, c'est trop rapide. Ah bah oui, hein, en même temps. Hein. Allez, tour suivant. Vous avez vu le temps qu'il m'a passé un tour, les gens, sans déconner, le mec. Oh, le gars, quoi. Et après, il vient me faire des critiques. Ah non, survie. Non. Bon. J'ai perdu 2 unités, super. Vous avez découvert. Oh là là, j'ai 10 de malheur. Oh, 100% de conspiration dans votre vie. Oh, moins 10 de produit. Wouah. Wa. Que ce soit clair, c'est pas moi. Wa. Oh, une colonie abandonnée. Trop bien. Écoute, toi, t'as plus de possibilités, toi, je pense. Oh merde, j'ai peut-être fait une connerie là. Cantine civile, ça peut être pas mal. Non, distillerie de soma, ça peut être bien. Toi. Tu vas faire avec cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé déjà? C'est quoi, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert la chimie organique. Oh, putain, avec ça. Bon, 9 de malheur. J'ai réduit. Pas. C'est un elle peu est le caca. Où, la chimie organique, les gars, vous la voyez, vous, quelque part là? Parce que moi, je la vois plus là. Il est aveugle. Elle est là. Bon, à cœur, distillerie de soma direct. Capteur solaire. Durée 40 tours, d'accord, augmente de 1 l'énergie des casques que vous contrôlez des villes à portée, reçoit bonus 20. D'accord, ah d'accord, ça sert à ça un capteur solaire. Ok, j'ai tout intérêt à l'envoyer en fait mon capteur solaire là. Ben ouais. Allez, on passe le dernier tour. Unité commerciale détruite. Par un extraterrestre. Oh merde. Oh merde. Il faut que j'en rachète. Je vais racheter un convoi commercial. Je pense que c'est à Deauville que j'aurai le maximum, hein. Bon, tour suivant, il y a l'AMU et on finit. Allez, merde. Le tour de la fin, les gens, voilà le capteur solaire qui est lancé, qui est lancé, qui est envoyé. Oh, et ça c'est bon ça. Hop, je quitte le mode orbital, hein, parce que voilà, tour suivant. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher plein de j'aime, plein de commentaires. Et puis nous, on va continuer avec un deuxième. Bah, tour suivant, putain, c'est la nuit, là. Mon tour Dieu. Suivant, l'heure. Tour suivant, ouais. Ouais. Merci à tous, oui. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce magnifique épisode. N'hésitez pas à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces pas verts, ce que vous voulez, en dessous de la vidéo. Sachez un truc, c'est que nous, on s'éclate. Vraiment, on s'éclate. Carrément. À faire cette série, c'est un truc de malade mental. Même sur Civ 5, j'avais pas eu entre guillemets autant de bonheur, autant de plaisir. et donc merde. Cet épisode était le 9e. Hein, faut le savoir, voilà, moi je viens de me renseigner après le 2e PC, donc c'est le 9e épisode qu'on vient de faire ici, mon cher Learn to Play. Oh, déjà. Ouais, déjà, ça c'est trop. Non, bon, ça. Merde. Bah si, hein, si. Attends, moi j'arrête de jouer là, là j'arrête, là il faut arrêter mon ami. Attends, hein. Attends, 2 secondes, je suis juste en train de me chier depuis tout à l'heure. Oui, ah, non, mais ça on sait que tu es en train de chier depuis tout à l'heure, hein. Ça c'est pas un scoop, hein. Là-dessus, bon, là, voilà, ouais, en tout cas les amis, le trône, ouais, là, c'est hein. Ça. Allez, ouais. À la prochaine. Merci à tous, ciao. Ciao. Ayez pas trop d'enfants et faites pas trop de bêtises.